Bonjour à tous. Alors, ça fait quelques jours déjà que je réfléchis à un nouveau concept pour communiquer avec vous un peu plus de culture chaque jour. Et ça y est, voilà, je suis dans mon bain et on va rentrer dans le bain. Alors, je vous propose une lecture de Candide de Voltaire. Et vous aurez droit à votre lecture tous les matins jusqu'à ce que nous ayons terminé le bouquin. Alors, lecture dans mon bain, chapitre 1er de Candide. Candide ou l'optimisme, traduit de l'allemand de Monsieur le docteur Ralph. Avec les additions qu'on a trouvées dans la poche du docteur lorsqu'il mourut à Minden, l'an de grâce 1759. Chapitre 1er. Comment Candide fut élevé dans un beau château et comment il fut chassé, dit celui. Il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Thundertentrock, un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le Baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle se voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que 71 quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ses palefreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmolo-nicologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause et que dans ce meilleur des mondes possibles, le château de Monseigneur le Baron était le plus beau des châteaux et Madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons-nous des lunettes. Les jambes sont visiblement chaussées, instituées pour être chaussées. Et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées.
et pour en faire des châteaux. Aussi, monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment, car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prît jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thundertrock, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde. Le troisième, de la voir tous les jours. Et le quatrième, d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit. Candide rougit aussi. Elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent et Cunégonde laissa tomber son mouchoir. Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main. Le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, les genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Thundertrock passa auprès du paravent et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit. Elle fut souffletée par madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. Fin du premier chapitre de Candide ou l'optimisme. Et ben, demain la suite. Bonne journée.